le 10 minutes qui vont vous, le 10-15 minutes qui vont vous manquer, ça devrait être pas un problème trop grand. Donc, organisation des fichiers XPSM. Le deuxième truc que je voulais vous montrer, Blink. Blink, qui utilise Blink ici? Blink, oui, Blink, oui. OK. Blink, c'est un moyen d'inspecter des fichiers. Blink, c'est un processus. On s'en va dans le processus, on a Blink ici. OK? Disons que je voudrais inspecter des fichiers. Je veux voir quels fichiers sont bons, quels fichiers sont pas bons, avant même de commencer mon pré-traitement. Parce qu'à un moment donné, pour un seul mauvais fichier, je vais me ramasser avec un empilement qui va être difficile à traiter. Mais pour le gain en signal bruit, des fois, c'est beaucoup plus préférable de juste éliminer ce fichier-là puis d'avoir un fichier beaucoup plus facile à traiter au final. Okay? Donc ça, c'est un moyen d'inspecter. C'est un moyen d'inspecter également chacune des étapes. Comment ça fonctionne? On ajoute les fichiers qu'on veut voir, qu'on veut inspecter un à la suite de l'autre. Je vais aller tout simplement dans notre dossier d'atelier. Et puis, je vais sélectionner les fichiers de Comet. Image de Comet de Denis Bergeron, Lovejoy. Je vais sélectionner simplement tous les fichiers. Okay? Naturellement, en PC, on peut dire CTRL-A pour sélectionner tous les fichiers. Avec l'interface Mac, souvent, le CTRL-A est réservé à un autre processus. Okay? Donc, avec un Mac, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller au dernier fichier, puis en appuyant sur la touche Shift, si je fais une sélection, tous les fichiers devraient être sélectionnés. En les ouvrant, ce que le programme va faire présentement, c'est un auto-stretch sur chacun des fichiers. En fait, c'est un auto-stretch global. Un seul pour tous les fichiers. Un même niveau pour tout le monde. Okay? Ici, ce que j'ouvre, c'est des images qui sont déjà en couleur, sont déjà débaillorisées. À ce qu'on peut voir ici, on a un preview qui vient d'apparaître. On a une série de fichiers qui sont ici. OK? Naturellement, il y a des petites touches fonctions. Si on veut délier les channels, le fameux STF, là, la petite chaîne sur le FTF, pour délier les channels, on peut cliquer sur la touche ici, puis hop, on a une neutralisation du fond de l'écran. Tout simplement, on n'a rien changé à l'image, on a juste délié chacun des niveaux. Il les a ajustés simplement au niveau de l'affichage pour que l'image soit neutre. OK? Une autre fonction qu'on utilise ici, on a le Blink Speed qu'on peut appeler. Là. On peut le mettre à, disons, 2 dixièmes de seconde. Et puis, si je touche sur la touche Play, on va avoir 2 dixièmes de seconde qui va se passer entre chacune image. OK? Le Blink, on peut voir qu'on passe successivement entre chacune des images. Donc, on peut facilement dire, OK, j'inspecte mon image, je peux zoomer, je peux me promener dans mon image, puis dire, bon, mais de quelle manière ça évoluait durant la nuit? On voit que le Sky Tracker a fait un bon travail jusqu'à un certain point, mais c'était peut-être pas un alignement parfait. On peut voir que si on se met un recul suffisamment grand, les images sont de la qualité adéquate. Okay? Puis c'est intéressant aussi de voir la comète qui se déplace, puis même de voir la queue de la comète qui évolue. On peut voir que la queue de la comète là, est en train de s'allonger. Hein? La première image, là, le coude de la queue est ici. Puis rendu à la dernière image, on voit que ça s'est étiré. C'est intéressant de voir des images comme ça de comètes qui vont se déplacer à travers le temps. D'autres fonctions utiles au niveau du Blink, si je fais un pause. Il y a certains blinks qui vont vraiment changer beaucoup entre le début de la nuit et la fin de la nuit. Certains fichiers vont devenir suffisamment sombres que le STF global fonctionne. L'approche de dire j'ai un seul niveau de stretch pour afficher toutes les images ne vaudra plus beaucoup. Ici, la fonction qu'on a ici en haut, c'est d'appliquer un STF individuel à chaque image. Donc, chaque image va être individuellement stretchée pour être affichée. Okay? Ici, c'est un STF global. Là, en haut, c'est un STF individuel. Okay? Naturellement, ils passent chacun des fichiers pour faire un autre petit FTF. Moi, je l'utilise à peu près à chaque étape. C'est plus long. Souvent, c'est une inspection. Premièrement, typiquement, je vais calibrer mes images. D'habitude, je les calibre toutes.
c'est plus simple. D'habitude, je vois toutes les aligner. C'est plus simple. Mais au moment où les images sont alignées, là, je veux les inspecter. Parce que c'est facile de les inspecter, parce que vu que les étoiles sont toutes à la même endroit, je peux zoomer dans l'image, puis je veux voir que les étoiles sont belles, à un moment donné, oups, celle-là, je l'enlève. OK? Fait qu'ici, on a, je reviens à mon exemple, ici, c'est un SDF maintenant individuel. On voit que le fond est resté beaucoup plus stable au niveau de la couleur, parce que chacune des images individuellement a été stretchée. Bon, disons que là-dedans, on trouve des images qui ne sont pas bonnes. OK? On a le luxe ici de dire, ah, celle-là, je ne veux pas la blinker. Celle-là, je veux l'éliminer, là. OK? Mais remarquez que c'est toujours mieux de sélectionner l'image pour la désélectionner. Parce que si j'en désélectionne un autre, celle sélectionnée également va changer. OK? Fait que portez attention à ces détails-là. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est appuyer sur la barre d'espace. La barre d'espace, on peut facilement dire, je passe d'une image à l'autre avec la flèche, en haut, en bas. Avec la barre d'espace, je peux désélectionner. À cette étape-là, tu t'as dit que tu ne blinquais pas, mais est-ce que tu vois la stacking? À cette étape-là, c'est juste une manière pour l'afficher. Maintenant, ça n'a rien à voir encore. C'est tout simplement dans le blink, est-ce qu'elle va s'afficher ou non? Prochaine étape, par contre, c'est avant, il faut la tasser. Il faut tasser le fichier ailleurs. Là, à date, on n'a pas tassé le fichier ailleurs. Au final de notre inspection, on peut faire la chose suivante. Je sélectionne le fichier que j'ai désélectionné. En appuyant sur la touche CTRL, je peux en sélectionner plusieurs comme ça. Donc, celui-là est à éliminer. Celui-là est à garder, par contre. Celui-là est à éliminer, puis celui-là est à éliminer. Vous voyez où il n'y a pas de coche? Je viens de les sélectionner. Je fais une double vérification. C'est juste les fichiers qui n'ont pas de coche qui sont sélectionnés? Oui. En bas ici, on a « Move Selected Files ». Là, on ne parle pas de la coche, on parle de ceux qui sont soulignés. Là. « Move Selected Files to a new location ». Fait que je peux facilement faire ça, dire « Je vais me faire un dossier bad ». Ça, ces fichiers-là, je vais les mettre de côté parce que je ne veux pas les stacker. En appuyant sur « Open », ben là, on vient les déplacer. Là, ils ne sont plus des jambes. Fait que quand ça va être le temps de sélectionner les fichiers à stacker, ils ne seront plus là. OK? Donc, c'est une manière de travailler avec le blink. Là, on est rendu en mode manuel. Là. Au niveau de l'étape, comme moi, exemple, je vais stacker à la main. Là. J'ai une étape dans mon processus ici qui est l'intégration des fichiers light. Ben, lorsque c'est le temps de sélectionner les fichiers, je n'irai pas chercher les bad, je vais juste chercher ceux qui sont vraiment à stacker. Ouais, c'est ça. Fait que Blink, c'est vraiment un outil d'observation. Ça interfère pas, ça ne fait rien dans le processus de stacking, mais ça permet d'inspecter les étapes. Ça permet aussi d'inspecter les choses comme, écoute, dans mes 200 fichiers que j'ai pris pour faire un master bias, j'en ai un qui n'est pas correct, j'en ai une dizaine qui n'est pas correct, là, parce qu'on dirait que ces 10-là, ils ont une... J'ai ouvert la porte du frigo, puis ces 10-là sont pas bons. Hein, la femme, j'y avais dit pourtant de pas ouvrir la porte du frigo, hein, mais elle a ouvert la porte du frigo. Donc, des fois, c'est un moyen rapide aussi de passer à travers plusieurs fichiers pour dire, donc, ça, c'est pas bon. Blink. Je vous encourage à l'utiliser fortement. Avant, moi, je fais la machine à saucisse. Mm-hmm. Donc, avant, j'inspecte par Blink. On peut toujours faire la machine à saucisse, puis au final, ça fonctionne mal, ben là, tu peux revenir, parce que la machine à saucisse sauvegarde ces étapes. Ouais. Donc, on peut revenir faire un Blink, puis dire, ben finalement, oui, tel fichier depuis le départ, il faudrait que j'enlève, puis je repasse la machine à saucisse. Ou je fais juste une petite partie à la main. C'est antinomique avec la philosophie de Tinsight, de batch comme ça. Parce que, tu fais faire tout seul dans le système, puis là, tu t'aperçois que c'est pas bon. Là, c'est mon flat, étape 1, je veux dire. Ouais. Si tu veux, un peu, si tu veux profiter au maximum des fonctionnalités spécifiques dans cette étape très pointue, tu matches pas. Mais dans mon livre à moi, Écoute, je dois avouer que je suis dans la même
école que toi là-dessus, mais je peux très bien comprendre qu'il y a des personnes avancées ici qui qu'ils ont tellement une technique qui est bien stabilisée, que tout, disons, le flat box est toujours à le même endroit, hein, c'est, tout est très bien contrôlé, puis à un moment donné, ben, tu l'as fait tellement souvent la recette que tu peux dire, je peux la laisser aller celle-là. Ça se peut que ça joue beaucoup sur parce que comme je suis néophyte technologicien, je vais rien m'échapper. Ça, c'est un autre catégorie. À un moment donné, il faut commencer à quelque part. Hein. Puis ça, moi, je la trouve très facile, la recette de la faire à la même. Et quelqu'un qui est néophyte, dans la première fois que j'ai fait ma recette, que j'étais obligé de d'écouter les vidéos de Martin Magnan puis de dire comment que je figurais ça, c'est lourd. Oui, également, tu sais, puis là, tu te rends compte, oui, mais tel auteur fait ça de telle manière, puis tel auteur fait ça de telle manière, puis tel auteur utilise Sigma, tel auteur utilise Wins. Tu connais pas les algorithmes, tu sais pas pourquoi. Je suis là, je suis là. Moi, je veux juste faire quelque chose, là. Je peux comprendre. À partir du moment que tu as ta recette, je trouve que oui, je suis d'accord avec toi que c'est facile de la faire manuellement. Mais le mieux, c'est quoi? C'est de le faire manuellement ou de le faire dans la machine à saucisse? Il n'y a pas de bonne recette. Je te dirais, là, vas-y avec ce que toi, tu préfères. Mais n'oublie pas que si ça ne fonctionne pas à la fin, utilise Blink pour réinspecter tes fichiers. Okay. La machine à saucisse va sauvegarder ton master bias. Ben, tu vas garder tes fichiers BIAS, tu peux les inspecter. Ton dark va être généré, sauvegardé, mais tu as tes master dark encore qui sont là, ils n'auront pas effacé. Tu peux toujours les inspecter. Ton master flat qui a été généré, lui, tu peux l'ouvrir, tu peux l'inspecter. Tu peux inspecter également tes fichiers light. Il y en a peut-être juste un dans le groupe que ça donne que ton flat box a eu un petit flake, puis il y a la moitié de ton flat qui n'est pas bon. Du bending dans le flat aussi, des fois ça arrive. Hein? Dépendamment, nos flat box, la plupart des flat box, c'est des LED. Une LED, c'est pas ouvert à 100%. La raison pourquoi on peut diminuer une LED, c'est à cause qu'elle clignote. On la fait clignoter 50% du temps lorsqu'elle est à 50%. On le voit pas, elle fait 60 fois par seconde. Mais ça, c'est suffisamment pour faire des belles lignes dans ton flat si le temps d'exposition est trop court. C'est ce genre d'inspection-là que je veux voir. Fait que Blink, utilisez Blink. La machine à saucisse ou le processus manuel, libre à toi. Puis vraiment, je vois que c'est vraiment une question de préférence. Fait que si tu utilises la machine à saucisse, sens-toi parfaitement à l'aise, c'est la bonne manière pour toi. Blink, on a vu, durant le pré-traitement, oui, pour le choix d'image, hein, pour être capable de dire, bon, mais cette image-là de Comet, moi, je l'enlève, ça ne vaut pas la peine de la garder. Il y a des boutons individuels, soit le STF global ou le STF individuel. On a vu également comment déplacer des fichiers, comment sélectionner des fichiers dans ça. C'est un outil que j'aime bien. Travail en projet. Je reviens ici. PixInsight a la possibilité de travailler en projet. Travailler en projet, c'est quoi? C'est que chacune des images va être sauvegardée encapsulée dans un projet. Puis l'historique complète de l'image va être gardée en mémoire. Je vais vous demander ici de faire load project. Et d'aller chercher un projet qui s'appelle, disons, M51. Je vais revenir à mes fichiers d'atelier. M51. Est-ce que vous voyez le fichier M51 XOSM? Okay. XOSM, c'est un fichier de projet. Okay. Vous voyez que le fichier XOSM a un dossier qui est associé. Le dossier finit par .data. Okay, donc, pour vous souvenir, là, c'est quoi l'extension? Cherchez toujours pour un dossier qui a le même nom de fichier, excepté que ça finit par .data. Ici, on va double-cliquer simplement sur le fichier XOSM. Naturellement, ça prend un certain temps à ouvrir. Puis lorsque les personnes vont travailler à trois couleurs, ça va encore prendre plus de temps parce que chacun des fichiers va avoir son historique. Nick, la dimension ici des workspaces, là, oui. C'est inclus dans l'intérieur du projet? Les différents workspaces sont tous? Oui, chacune des angles, même chacune où les icônes sont sauvegardées, tout est inclus dans le projet. Donc, les quatre workspaces sont inclus dans le projet.
Okay. Ici, on a un M51. Ce que je veux vous montrer, est-ce que vous avez, est-ce que tout le monde ici a l'onglet History Explorer? Est-ce que vous, si vous ne l'avez pas, assurez-vous que sous View, Explorer Window, votre historique ici est actif. Okay. Est-ce que tout le monde a l'onglet History Explorer? Ah, il est en train d'ouvrir. OK, oui, on va attendre. Pendant longtemps, j'ai attendu. Là, j'ai une petite bombe, là, ça va mieux. Oui, assure-toi que tu as l'onglet History Explorer. Ça, ça fait partie de ton interface. Est-ce que tu l'as? OK. Ça, c'est quoi en bas? History Explorer, tu l'as. Clique ici. Bon, en déplaçant le curseur sur History Explorer, on a un menu déroulant qui est juste ici. On peut sélectionner quel fichier on veut inspecter. Apportez votre attention sur intégration. Ça, c'est l'historique complet du traitement de l'image qui est intégration. Okay? On a même, au niveau zéro, son niveau initial, on a même qu'est-ce que j'ai utilisé comme intégrateur, comme image integration pour gérer, pour générer finalement cette image-là. Si je veux avoir tous mes fichiers sources, ben cette image-là vient de 15 fichiers. Puis mon taux de réjection quand j'ai généré le fichier, ben c'était sigma low à 4, sigma high à 3. On voit que toute l'historique est là. Okay? Je peux faire les choses suivantes. Bon, mon traitement a commencé par un crop. Si je veux prendre ce crop-là et l'appliquer exactement à une autre image, je peux prendre le dynamic crop, le mettre de côté. Ah, je peux prendre maintenant ce processus-là et l'appliquer à une autre image. Okay, tu sais, des fois, on fait un crop sur une image en rouge, on veut faire la même crop sur le bleu, sur le vert. Bon, on peut faire cette technique-là. Quelle autre chose qu'on peut faire ici? On voit dans l'historique quel masque était appliqué pour faire ma réduction de bruit. Ben, le fichier masque est ici, là, il est dans le projet également. Comment j'ai fait pour générer le fichier masque? Ben, c'est le même principe. Le fichier masque, intégration L, a son historique. Qu'est-ce que j'ai fait pour le générer? Ben, j'ai fait un channel extraction. Donc, tout l'historique est respecté. Même, qu'est-ce que j'ai généré ce fichier-là? Pour le sauvegarder. Pour le sauvegarder. À partir du moment que je sauvegarde un projet, d'habitude, je vais avoir mon image qui va être générée. Bon, ben, dans cette fenêtre-là, au lieu de sauvegarder l'image, je vais sauvegarder le projet. Pour sauvegarder un projet, on clique sur « File »,« Save Project ». Save Project va dire, bon, où veux-tu sauvegarder le projet? Puis tu peux, optionnellement, y ajouter certaines informations, comme moi, le nom de l'auteur, puis également, j'utilise une petite description de l'équipement, de la température, si c'était pris de où. Sauvegarde ça là-dedans, tout simplement. Okay? Ça va inclure toutes les choses suivantes. Ici, on peut inclure de façon optionnel les workspaces. Ici, les workspaces sont inclus tous par défaut, mais je peux dire non, moi, je veux juste inclure le workspace numéro 1. Les autres, c'était des tests que je faisais. OK? OK? Est-ce que ça répond à la question? Donc, je travaille beaucoup en projet. Faites attention, naturellement, un projet, c'est un fichier qui va finir par être environ 4 ou 5 G. Chacun des fichiers est sauvegardé, mais chacun des fichiers à chacune des étapes est sauvegardé. De manière à ce qu'on peut faire ongo, faire rideau. De travailler en projet, ça permet la chose suivante également. Je me rends compte que ici, tout le traitement était très bien. Par contre, la calibration de couleur, je l'ai mal faite. C'est un processus qui était vraiment en haut, là, hein? Bon, j'aimerais ça juste revenir, faire ce processus-là, mais réappliquer tout le reste automatiquement, sans m'en retaper encore le travail. Je peux faire la chose suivante. Ici, on dit, bon, ben,
on a la calibration, la calibration qui est fautive. Mais tout le reste est correct. Je vais sauvegarder de côté tout le reste. Okay? En gardant en mémoire également que il y a certains masques qui ont été appliqués hein, à certaines étapes. Ici, là, intégration light. Je vais juste glisser mon intégration light vis-à-vis l'icône ici pour me souvenir qu'il faut que j'applique ce masque-là pour les deux étapes suivantes. Okay? Je continue rondement. Il y avait un petit script que j'ai roulé ici. Bon, c'est beau. La déconvolution, j'ai fait ça. Et ainsi de suite. Vous voyez le principe. Hein? Au niveau du projet, je peux dire, moi, je veux revenir, au lieu de cliquer « Undo » quasiment une dizaine de fois, je vais revenir à l'étape de calibration de couleur. Je vais revenir même à l'étape de la calibration avant la couleur. La couleur, ici, je vais la laisser comme base. Je vais revenir à l'étape avant. Je double-clique sur la première colonne. Ici, vous voyez le curseur qui vient se déplacer? Je viens maintenant de revenir à cette étape-là. Je suis plus stretché, je suis en format linéaire. Vous voyez, là, il n'y a pas de traitement de fait. C'est comme si j'avais fait undo successivement. Je peux réappliquer ma balance de couleur. Je dis, ben, finalement, ce n'était pas 0.3, c'était 0.35 qu'il fallait que je mette ici. Je peux la réappliquer. Et puis, ensuite de ça, ben, je peux réappliquer chacune des étapes. Bon, ça, j'avais fait ça. Ensuite de ça, j'avais appliqué mon masque. Je vais mettre le masque ici. C'était un masque inversé, je me souviens plus. C'était comme ça. On inverse le masque. Parce qu'il fallait que j'expose mon fond de ciel pour faire le traitement. Voici ma réduction de bruit, la première que j'ai faite. Vous voyez le principe. Hein? À partir de ce moment-là, Yannick, qu'est-ce qui devient ton historique? L'historique, lui, si je l'inspecte, dès qu'une étape dans l'historique a changé, je viens maintenant d'écraser tout ce qui existait après. C'est pour ça que j'ai déplacé mes icônes de côté, parce que je savais que ces icônes-là allaient être écrasées. Okay? On voit ici maintenant que je suis rendu au RGB Working Space, puis il est en train présentement de faire la réduction de bruit, mais tout le reste, là, c'est parti. Tout ce que j'ai sauvegardé ici de côté, c'est parti. Là, il l'a plus. Okay? C'est pour ça que si on travaille comme ça, si on veut revenir en arrière, n'oubliez pas de mettre vos choses de côté. C'est ça, c'est des processus qui peuvent être sauvegardés sous forme d'un XPSM, si on veut. Ensuite de ça, on peut les réappliquer. Justement, si tu commences à travailler avec les fichiers XPSM, dans l'historique, tu vas avoir le XPSM ou tu vas avoir des agrégations qu'il y a dans le fichier XPSM? Le fichier XPSM est inclus dans le fichier XOSM. Okay, donc, tous les processus sont désagrégés déjà dans le fichier XOSM. Donc, c'est pas vraiment un dans l'autre, c'est vraiment le descriptif de l'un qui est dans l'autre. Donc, individuellement, il est inclus dedans, mais on ne peut pas l'extraire juste avec un texte éditeur. Ça prend l'interface de PixInsight pour pouvoir le voir. Mais physiquement, les fichiers processus sont ici. Donc, exact. L'historique peut être sauvegardé sous forme XPSM ou elle peut être dans le projet. On n'a pas besoin des sauvegardes à deux endroits, là, parce que le fichier projet inclut ton historique sous forme XPSM. Donc, travail en projet, est-ce qu'on voit le principe? Oui. Ça fait des gros fichiers, oui, mais ça permet d'être capable de refaire des traitements plus facilement, plus efficacement. Ça permet d'organiser son travail. Pour moi, même pour des trucs comme formateur, de dire, c'est quoi déjà la réduction de bruit que j'avais faite pour cette image-là? Il me semble que j'avais bien réussi. Tu peux revenir, tu peux extraire cette chose-là, puis dire, écoute, François, essaye ça. Ça va bien? Travail en projet. Un autre truc que je voulais montrer, Barry Param. Dans la réduction de bruit, je vais vous donner un exemple. J'y reviens, OK? Barry Param, c'est un script. C'est un script qui permet de faire changer un seul paramètre dans n'importe quel processus. Souvent, spécialement la réduction de bruit, on voudrait avoir facilement et rapidement un preview généré de cette
de ce processus-là rouler avec ce paramètre à 0.1, 0.2, 0.5, 2, 3, 5, 10. Ouais. Au lieu de, on voudrait les avoir un à côté de l'autre de façon facilement capable de passer de l'un à l'autre, dire c'est-tu 0.2, c'est-tu 0.3, ok, c'est 0.3, c'est bon. Je vais vous donner un exemple, je reviens là-dessus durant la partie réduction de bruit. Image Solver, Image Annotate, ça c'est intéressant. Je vais vous demander ici de loader un nouveau projet. Loader un nouveau projet, c'est ni plus ni moins le même résultat que de vider une interface. Le même résultat que si je fermerais PixInsight et je la rouvrais. OK? Donc, il dit, est-ce que tu veux sauvegarder ton projet? Non. Toutes les données vont être perdues. Oui, c'est correct. Mon projet est déjà sauvegardé. Puis, n'hésitez pas à même. Lorsque vous fermez un projet, il va vous dire, bon, ben, tel fichier n'a jamais été sauvegardé. Oui, c'est vrai, techniquement, il n'a jamais été sauvegardé individuellement. Il est inclus dans le projet. Donc, je peux fermer le projet. Ici, on a une plaque vide. Je vais vous demander d'ouvrir le fichier TGV de Noise Demo. Tiens. C'est une image de M45. M45 a des belles étoiles. Hein? Des fois, ça serait le fun d'avoir une belle manière de montrer aux gens, bon ben, telle étoile, c'est tel nom, telle étoile, c'est tel nom, telle étoile, c'est tel nom. Puis regardez, là, en haut, là, il y a une petite galaxie, puis ça s'appelle PGC quelque chose. Soit TGV Denoise ou M45. C'est le même fichier, en fait. Il y a une petite galaxie ici, je voudrais peut-être l'identifier, là. Okay, il y a du bruit là-dedans parce que ça, c'est un fichier qu'on va utiliser tantôt pour faire l'exemple de réduction de bruit. Il y a un script qui s'appelle Image Solver. Image Solver, c'est le plus humain. Je vais prendre cette image-là, je vais trouver ses coordonnées exactes. Puis je vais appliquer les header fits, les mots-clés fits, dans le fichier afin de l'identifier. Sa position exacte, son angle exact, la résolution de chacun des pixels. Peut-être que essaie de voir si tu vois M45. Non, est-ce que tu vois TGV Denoise Demo? Tu vois pas TGV Denoise Demo? J'ai juste loadé un fichier qui est venu. Ah, c'est ça, prends le dossier au complet. Tiens. Ouais. Donc, ici, là, si vous regardez les... je vais vous montrer un autre truc. Moi, pour aller chercher mes processus, il y a beaucoup de personnes qui disent, bon, va-t'en dans telle section, voilà. Mais il me semble que ça laisse deux choses. C'est le fun d'avoir des organisations parce que des fois, tu ne te souviens plus du nom du processus. Mais lorsque vous vous souvenez du nom du processus, on peut facilement aller à « All Process », juste déplacer le curseur dans cette zone-là. Puis moi, je sais que je cherche quelque chose qui s'appelle « Fits Header ». Je tape « FIT », j'arrive dessus. J'appuie la touche « Enter », on ouvre le processus. OK, c'est un... Ça ne fonctionne pas super ici. Non. Je suis dans la zone. OK. Mais je focus là-dedans. Mets ton curseur. Okay. Okay. Déplace ton curseur dans cette zone-là. Tap. OK, je vais le noter. Pour ça, je pensais que c'était quelque chose qui marchait multiplateforme. Touche. Donc, ouais, c'est ouais, hein, j'avoue que c'est quelque chose que je trouvais très naturel pourtant. Fits Header, je veux aller voir les mots-clés de ce fichier-là. Okay? Donc, je sélectionne l'image TGV Denoise. Si je fais un scroll vers le bas, je vais voir certaines informations. Puis, rendu ici, on voit la focale, la grosseur de pixel, la position, et ainsi de suite. Vous voyez tout ça, là? Cette information-là n'était pas à l'origine dans ce fichier-là. Je l'ai ajouté par la suite. Je l'ai ajouté pour être capable de faire une annotation, pour utiliser finalement cette information-là plus tard. Ce que je vais faire pour vous montrer comment ajouter cette information-là, je vais l'effacer.
Donc, je vais effacer l'information, puis je vais appliquer l'effacement. On voit qu'il n'y a plus de mots-clés au niveau de cette image-là. Les mots-clés de potion ne sont plus dedans. Comment on fait pour ajouter ces mots-clés-là? Script. Image Analysis. Image Analysis, Image Solver. OK. Script, Image Analysis, Image Solver. Je vais chercher M45. Il faut que j'aie une connexion Internet pour ça. Il va aller chercher dans les données. Non, ça marche-tu? Oui. Pas Louis. Pas capable de lire. Il ne voit pas qu'il est là. OK. C'est un fichier. OK. Voici avec, à partir de Internet Explorer, là, le, juste un navigateur de fichiers. Là. Pas avec PixInsight. C'est pas qu'il est associé à PixInsight. Ouais. Continue, je vais regarder ça. OK. Excuse-moi, il y a rien que je n'ai pas vu. Oui, je reviens. OK, je reviens. Script. Image Analysis, merci. Image Solver. Pour aller chercher l'objet, je vais cliquer sur le bouton Search. Je tape M45 puis j'appuie encore sur le petit bouton Search là, pour aller chercher M45. Il y a plusieurs entrées. C'est à fin pratique la même entrée. Je vais en sélectionner une puis je vais cliquer sur OK. Ça, c'est le but. Le but de ça, c'est tout simplement de générer ces coordonnées général là. M45, on cherche simplement quelque chose qui est dans l'image. Pas obligé d'être dans le centre de l'image, il faut que ça soit dans l'image. OK? Cette image-là, je crois que j'ai pris ça en 2015. Puis c'était au colloque de la fac, c'était au mois d'octobre. Encore là, pour certains objets, c'est utile d'avoir une période. D'habitude, 2000, c'est suffisant. J'ai pris ça, une focale approximative de 540 mm. J'étais en Hyperstar. Puis à l'époque, j'utilisais une T3i, puis T3i, la grosseur de pixel, c'est 4.28. Et ça, c'est de l'information qu'il faut que vous sachiez un peu. Ces informations-là sont pour donner un ordre de grandeur au logiciel. Dire, bon, attends-toi à voir un pixel avec une focale d'environ quel ordre de grandeur. Ici, je vais utiliser des images qui ont une magnitude 16. Là, je pense que le défaut, c'est 14. Ici, il y a beaucoup d'étoiles dans le champ. J'ai aucun problème d'avoir beaucoup d'étoiles référence pour calculer mon match. C'est un genre de plate solver. C'est essentiellement un plate solver. Okay? Par contre, certains objets comme M51, dans une zone, je n'ai pas beaucoup d'étoiles. Puis M51, souvent, je vais en faire à 2350. Encore moins de champs, encore moins d'étoiles. Des fois, ça vaut la peine. Lorsque le script va dire, je trouve pas de solution. Augmenter finalement la finesse de chacune des étoiles. Comme ça, il va aller chercher plus d'étoiles. Il va avoir plus de choix pour faire un match. Okay? On peut garder ça à 14 pour cet objet-là. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 16. Je vais cliquer sur OK. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va chercher de l'information sur Internet. Il va extraire, il va dire, dans cette information-là, j'ai trouvé, ça le dit, j'ai trouvé. Cinq secondes, j'ai trouvé 992, j'ai trouvé 9000 étoiles dans cette zone-là. Dans l'image, là, il est en train de faire des calculs. Dans l'image, j'ai pas vu comment il avait trouvé. Si je remonte un peu. Dans l'image, lui, il en a trouvé 917. Là, il a commencé à faire un plate solver là-dessus. Il était à itération. En fait, il suffit sur la zone que tu lui as donnée pour trouver une solution à peu près. Et ensuite de ça, par itération, il va dire, bon, OK, c'est beau, là. T'as un petit peu d'aberration dans ton optique, fait que le coin de l'image est à telle position, le coin de l'image est à telle position. Tu peux même sortir un modèle d'aberration. Dire ton centre est bon, puis tes étoiles sont décalées vers la, vers,
il peut sortir cette information légalement. Oui. Oui. Ici, au final, finalement, il a déterminé la position du centre puis de chaque coin. Puis tu peux, dans le script aussi, tu peux lui dire « Sors-moi le modèle d'aberration. » Tu peux vérifier de l'optique avec ça. Et parce que l'étoile, à la place d'être là, sur ton image, est ici. Ben là, t'as une aberration, t'as du vignettage ici, là, de temps de pixel. OK? Fait que tu peux sortir ce genre d'informations-là. Ouais. Lui, ce qu'il a sorti ici, l'image avec plein de petits points rouges, c'est tout simplement, où sont les 917 images qu'il a trouvées. Les 917 étoiles qu'il s'est fié, c'est toutes ces étoiles-là. OK? Ils sont toutes. Est-ce que c'est complété? J'ai pas obtenu ça. Pardon? J'ai pas obtenu ça, mais après que le script, ça soit complété. OK. Ça dépend de qu'est-ce qui est coché. OK. Il y a une coche qui dit sors-moi le résiduel, sors-moi les étoiles que tu as identifiées. OK. C'est ça que ça prend, le résiduel des mains. OK. Cette image-là, c'est juste pour montrer finalement qu'est-ce qu'il a utilisé. Parce que les fichiers, les mots-clés ont été appliqués à cette image-là. Okay? À la source, là, la source maintenant, si on la réinspecte avec Fits Header, on voit que on est de retour à avoir la focale exacte. Hein? C'est plus la focale calculée. Maintenant, c'est une focale exacte. J'y ai rentré 540. Lui, il a dit non, on prend 533.47. Okay? Parce que si tu me dis ta focale, ta pixel, c'est 4.28, je te dis ta focale, c'est 533. Okay? C'est sûr que le 4.28, s'il n'est pas exact, ben, la focale va être calculée en conséquence du 4.28. À un moment donné, il faut faire un choix éditorialiste, lequel est le fiable. Puis, tu peux vraiment avoir la position exacte de l'information au niveau des rotations, l'axe aéra, l'axe deck. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des trucs comme script, render, OK? Render annotate image. Script render annotate image. Ici, on est en image linéaire, on n'a pas fait de stretch encore dessus. On peut faire un stretch rapide, là, juste pour être capable de faire quelque chose avec. Je vais juste faire un stretch rapide. Parce qu'à notre image, d'habitude, ça se fait à l'image, à la finale. Donc, on peut continuer à traiter notre image. L'image, elle a ses coordonnées maintenant. OK? D'habitude aussi, on fait ça après le crop initial, parce qu'on veut que les coins soient au bon endroit. Je vais juste faire un petit screen transfer function très sommaire. Afin de faire un stretch sur cette image-là, voici, c'est fait. Puis disons que maintenant, je suis rendu à faire un annotate image. Render, annotate image. Annotate image, c'est un autre script qui est utile qui permet de déterminer, bon ben, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître? Est-ce qu'on va avoir le grillage, aéro, deck? Non, je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas avoir non plus les coins de constellation. Des fois, on fait des belles grandes images de grand champ, on voudrait avoir la belle constellation qui est bien dessinée. On peut le faire dessiner avec ça. On ne veut pas non plus avoir les lignes d'astérix, mais je veux avoir le nom de chacune des étoiles qui sont nommées. Je veux avoir entouré les objets Messier. Je veux avoir toutes les galaxies MGC et IC. Je ne veux pas avoir les étoiles Tycho parce que ça en fait trop. Mais je veux avoir les PGC, les petites galaxies là, de fond d'écran. Là. Ici, on a un graphic scale. Si l'écriture est trop petite, on peut augmenter un peu le scale. OK? Je clique sur OK. Il me sort une nouvelle image. Si j'agrandis un peu cette image-là pour vous la montrer, on voit que les objets MGC sont entourés. On a les noms de chacune des étoiles. Et puis, on a notre petite PGC en haut, là. La petite galaxie, c'est PGC 13696.
C'est quand même intéressant comme script. Là. Fait qu'on peut faire plein de choses avec ça. C'est-tu ce genre de notation-là qu'on voit quand on va sur Astrobin? Ben, Astrobin a son propre script. C'est le même principe, mais Astrobin a son propre outil qui n'est pas utilisé par PixelSight, mais c'est le même principe. Je sais que Yves, lui, il va utiliser précisément ce script-là pour faire deux versions de son image. Puis lorsque tu t'en vas sur son site web et tu passes ta souris par-dessus l'image, ça bascule à l'image qui est annotée. Fait que c'est intéressant, tu le regardes, là tu peux l'annoter, tu vois, ouais, ok, c'est beau, il y a ça dedans. Moi j'avais fait une image à un moment donné, j'avais fait un test, simplement pour prendre une image de longue exposition au zénith galactique. La galaxie est un plan, on prend une image à son zénith, il n'y a pas grand chose, hein. On est même à côté de la mode de la Vierge, il n'y a à peu près rien. Je me dis, si je prends bien des données, y a-t-il quelque chose qui va sortir? Ben, des PGC, il y en avait environ 1500. Des UGC, il y en avait environ 10 000. Puis, je mets l'image, là, puis lorsqu'il y avait un petit rond jaune, ce que disait, là, il y a une petite galaxie, ben, il y avait un genre de petit bruit qui était là. Fait que oui, on les voit, là. C'est le fun. C'est ce que je voulais vous montrer au niveau d'un script qui est utile. Image Solver, Image Annotate. Subframe Selector. Subframe Selector, on a fait Blink hein, pour inspecter les fichiers. On a un outil qui s'appelle Subframe Selector qu'on peut également utiliser pour analyser nos images. On va aller à Batch Preprocessing. Subframe Selector. Subframe Selector, je vais y ajouter des fichiers. Add files. Disons qu'on utilise les fichiers de Denis Bergeron. Ouais. Tous les fichiers de. Ouais. Je vous conseille peut-être de n'utiliser, peut-être pas tout le groupe, là, utiliser 4 ou 5. Parce que Subframe Selector calcule beaucoup de statistiques sur les fichiers. Des fois, ça vaut la peine d'aller prendre un café. T'en prends quoi, 4-5, tu m'as dit? Remove Selected. Ici, j'en ai 4. En cliquant sur Measure, on va sortir une certaine statistique sur les fichiers. Il n'y a pas d'autres paramètres à ajouter? Non. Moi, je vais en ajouter peut-être pour voir un beau graphique, je vais en ajouter un petit peu plus. Measure. Ce qu'on fait, on identifie les étoiles. On analyse l'excentricité des étoiles, c'est-à-dire comment elles sont longues, plus longues par rapport à plus hautes. On analyse des choses comme c'est quoi le ratio signal-bruit. Il y a beaucoup d'informations qui vont sortir de ce tableau-là. Pas trop loin. 2000 étoiles détectées, ça en fait beaucoup. Le seul désavantage un peu de ce script-là, c'est que ça prend un certain temps à loader les fichiers. Des fois, la même information peut être obtenue plus rapidement avec un blink visuel. Par contre, en ayant parlé hier, certains défauts, des fois, qu'au visuel, tu ne le vois pas nécessairement. Exemple, le seeing s'est dégradé de façon notable. Puis cette étoile-là est vraiment plus grosse que les autres, même si le guidage était bon. Des fois, ça ne vaut pas la peine d'avoir cette étoile-là puis de grossir toutes nos étoiles au final. Donc, qu'est-ce que ça donne, c'est ce genre de résultat-là? On a le poids statistique qui serait éventuellement utilisé là, si on ferait un stack sur cette image-là. Si on ferait un stack, ce serait ce poids-là qui serait tamponné dedans. Full width, half max. C'est un indice de la grosseur des étoiles. Okay? Donc, plus il est petit, plus le full width, half max, ça veut dire que ton étoile, la moitié de la hauteur de l'étoile, c'est un rayon. Puis, ce rayon-là a un diamètre de combien de pixels? Plus bas, c'est le mieux. Fait que si je voudrais, disons, les trier en ordre de full width, half max, je pourrais facilement dire
faire un full width half max descendant. Descendant. Ça, c'est de plus haut à plus bas. Ça, c'est de plus bas à plus haut. Okay? Donc, on a en ordre nos meilleurs fichiers. On a également un indice d'excentricité. Ça, c'est un bon indice au niveau du guidage. Okay? Une excentricité aux alentours de 0.3, c'est... En fait, à ce que je comprends, 0.2, c'est 98% de la hauteur par rapport à la largeur. C'est un pratique rond. La documentation que j'ai lue, c'est une excentricité à partir de 0.42. À l'œil, tu ne verras pas la différence. Puis plus haut, l'excentricité, parce que c'est logarithmique, l'excentricité. Donc, c'est pas nécessairement un ratio sur l'autre. Mais à partir de 0.6, là, tu vois que ouf, là, ça se dégrade. Okay? Pardon? C'est que tes histoires et faire une espèce de moyenne ou une médiane de toutes les étoiles de l'univers. Le calcul savant, je l'ai vu, là, c'est un indice de la largeur par rapport à la hauteur. Mais c'est montré sur une base logarithmique. Okay? Donc, c'est pas tout à fait linéaire. De 0.2 à 0.42, c'est à fin pratique parfait. Puis de 0.42 à 0.45, ça se dégrade assez rapidement. Dès 0.6, c'est dégradé. Et tu vois vraiment que c'est allongé. Donc, c'est un indice du guidage, essentiellement. Ça répond-tu à la question? C'est la moyenne de chacune des étoiles. Chacune des étoiles dans le champ, exact. Ça inclut également les coins. Hein. Tu sais, des fois, on peut avoir du vignettage dans notre système optique. Naturellement, les coins également vont avoir un indice d'excentricité. Bien, on n'a pas besoin de les cropper parce qu'essentiellement, on part une image du même système envers le même système. Fait que oui, le vignettage va être là, tamponné à quelque part dans le calcul. Tu vas prendre la même image prise avec une Takahashi, bien, l'excentricité va être réduite par rapport à si tu prenais ça avec un Newton qui n'est pas nécessairement corrigé. Okay? Par contre, si tu compares une image de Newton avec une autre image de Newton, ben les deux vont avoir la même erreur. On va être capable de comparer les formes avec les formes. Signal to noise weight, je me manque une dent, hein, fait que j'ai bien de la misère à dire des mots sans site, là. C'est temporaire, ça devrait revenir. SNR weight, c'est le poids qui devrait être attitré finalement, c'est un indice du rapport signal-bruit. Okay. Donc, on a des informations qui sont utiles là-dedans. Si moi, je voudrais y aller plus rapidement, puis je voudrais dire, je veux automatiquement sélectionner les fichiers qui ont une excentricité inférieure à 0.5, puis je veux sélectionner automatiquement toutes celles qui ont un full width half max inférieur à, disons, on va dire 4. OK? Ben, je peux dire full width half max est inférieur à 4. Excentricité, ça c'est une formule qu'on peut rentrer nous-mêmes. Puis on voit le signal double E. Donc, on sélectionne automatiquement tous ceux qui ont une excentricité inférieure à 0.5 et tous ceux qui ont un full width half max inférieur à 0.4. Ici, je vais juste cliquer sur OK. Ça marche-tu? Ça marche pas? Pourquoi? Full width half max inférieur à 0.4, j'en ai pas, pardon. C'est inférieur à 0.5. Excentricité inférieure plutôt à 0.6. Ah! Il y a juste deux fichiers qui ont les deux conditions. Okay? Donc, on peut, sur une centaine de fichiers, sur 60 fichiers, on peut facilement désélectionner le fichier qui a eu un mauvais guidage ou le fichier que le signe n'était pas bon. Comment tu rentres l'excentricité dans la case? Après, la formule? Oui. Comment tu le rentres l'excentricité? Tu tapes directement? Exactement. Okay. Donc, c'est dans la section expression. Oui, oui, c'est d'accord, c'est correct. On tape directement. Ah, okay. Ici également, on peut dire le poids par défaut. Lorsqu'on va faire une image integration, le poids par défaut va être calculé selon le rapport signal-bruit. On pourrait montrer un nouveau poids. Ici, le poids par défaut, c'est SNR weight. Par contre, on pourrait utiliser quelque chose d'autre.
Des questions sur, pour ce frame selector? Une fois que tu as fait ça, tu t'enlèves des fichiers comme tu as fait tantôt. Oui, exact. Donc, ici, on pourrait dire, bon, l'index, on va les sélectionner, puis on pourrait dire input subframes. Copy, move, the approved, rejected. En fait, ça va avec la coche. Ça, ça va avec la coche. Copy, move, the approved, selected. Rejected, subframe to output directory. Donc, si je clique là-dessus, je ne sais pas où ils ont mis, mais ça. C'est bon, ça. Contrairement à l'autre, ils ne t'offrent pas le choix. Là. Ouais, je pense que celui-là, je m'attendais à avoir un. Ah, oh, il cite output, j'imagine? Ah, ouais, c'est ça. Approve the directory en bas, là. C'est là. Juste. Ah, ouais, à quelle place, là? Monte dans la section output. Ouais, approve directory, la deuxième ligne. Ah, tu vois les mettre. Donc, on pourrait sélectionner le fichier, là, dans le dossier dans lequel on voudrait faire l'output. Ouais. Entre-temps, ben, je ne les ai pas déplacés finalement. Ouais, je n'avais rien sélectionné, donc ils n'ont pas. Ils ont pas et, je pense qu'ils ont peut-être renommé parce qu'on approve post-fix. Il a probablement mis un post-fix dessus. OK. Donc, je vais juste corriger ce que lui a fait. Parce que je vais avoir besoin de ces fichiers-là tantôt. On va refaire ici. Les fichiers bad, on va les restaurer. Il y avait deux approve or fix qui ont été ajoutés. Je vais les enlever tout simplement. J'ai un petit script, remplacer le texte dans mon fichier. Je veux enlever A pour rien. C'est un peu c'est comme si tu travailles sur ton bureau, tu fais papier, ces trois-là, je les prends, je les mets sur une pile. Ah, oh, ceux-là, je les veux, je les mets sur une pile à côté. C'est ça. Oui, ouais, des fois, ça en vient. C'est pour ça que je fonctionne beaucoup en. Au début, c'est une. Oh, OK. Au début, là, mais à Londres, on s'est développé un genre de workflow. Il y en a qui appellent ça des recettes, mais c'est pas une recette. Nous, c'est un workflow que, bon, est-ce que j'ai besoin d'appliquer ça? Oui, j'ai besoin de le faire ou pas? OK, à quelle quantité? Je ne sais pas couler dans le béton, que c'est ce processus-là, ces données-là, parce que ça varie. Ça peut arriver à un moment donné, non, c'est cette image-là, j'en ai pas besoin. Tu fais un check, OK, je m'envoie l'autre. Process. Ah oui, dans mon workflow, non, ça ne s'applique pas. Là, tu t'en vas. Ah, mais il faudrait que je fasse ça parce que tu sais que tu ne l'as pas ajouté dans ton workflow, mais qu'il y a un autre process. Là, tu vas le faire. Tu sais, tu te laisses des liens. C'est une prise de décision, hein, comme le workflow. Ouais. C'est, tu parles de là, j'ai mon image. Hein, mon image, c'est une image couleur ou CCD avec toutes les couleurs. Ah, ben OK, CCD. Là, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais traiter les couleurs individuelles ou les trois ensemble. Là, tu sais, tu parles. Puis de là, écoute ton workflow à toi, tu aurais plus de l'air inventé comme ça. Tu vas dire, ah oui, c'est bien. Je suis capable de faire des workflows dans ma tête, mais quel outil qui est disponible pour faire tel type d'organisation? Ouais. C'est sûr, c'est que tu ça, ça me manque. C'est que tu vas. Okay. Je te dirais. Utilise des outils, puis Yannick utilise des nouveaux outils, puis là, dernièrement, chez eux, ils disent, hey, ça, c'est ça, et ça, ça remplace ça. Ah, OK. Et là, je suis rendu à l'essayer. Mais lui, il se fait tout de fois qu'il fait, puis il a trouvé que c'était mieux ça qu'un autre process. Que c'est un. C'est un work in progress. Ouais, c'est vraiment un work in progress. Moi, présentement, là, je te dirais, l'année prochaine, ça va prendre une autre chose. Mais présentement, j'ai l'habitude de me faire un dossier bad. Quand je fais des blinks, quand je fais du sub, je mets ces fichiers-là. Les bons fichiers, je les laisse là. Les mauvais, je les mets de côté. Mais je les garde. Je préfère les garder parce que des fois, c'est intéressant de dire, c'est passé quoi déjà, tu peux revenir. Et puis, à un moment donné, quand c'est le temps de faire mon traitement, ben, j'ai un dossier de temp. Si je fais une recherche du jour au lendemain, je veux libérer de l'espace parce que j'oublie ces fichiers temp, ces dossiers temp-là de temps en temps. Je veux libérer de l'espace vite sur mon disque dur. Je fais une recherche. Tout ce qui s'appelle temp, efface. Je peux, parce que temp, je sais que je peux l'effacer. C'est des fichiers temporaires. Puis mon projet final, il est sauvegardé de toute manière. Ça, présentement, c'est ce que je fais.
ça va peut-être évoluer, ça va peut-être continuer à changer. Prochaine étape ici, à Supreme Selector, des questions là-dessus? Ça va bien? Process Container. Process Container, je l'utilise pour automatiser certaines petites tâches. Un exemple de ce genre de tâche-là, c'est durant mon pre-processing XPSM, j'ai mes étapes de pre-processing qui sont ici. Dans mon pre-processing, moi, je fais mon dark, je fais mon master bias, mon master dark, je fais mon master flat. Souvent, je vais avoir plusieurs mois que je vais, disons, plusieurs semaines que je vais accumuler. À un moment donné, ben, tu te ramasses avec 4-5 bonnes images. Tu te dis, bon, ben, à soir, c'est le soir, bon, je commence mon traitement. Je veux faire toutes mes master flats. Je veux faire toutes mes intégrations d'un coup, disons. Toutes mes pre-processing, disons, toutes mes batch debayers d'un coup. OK? Je peux me faire un processus. Je m'en vais dans process container. Ici. Process container, c'est ni plus ni moins une manière de mettre à la file des processus. OK? Donc, moi, disons que j'ai 4 images à faire. J'ai 4 master flats à faire. Bon, le premier master flat, ben, je vais chercher mes fichiers. Aléatoirement, j'en prends les fichiers ici. Ça, c'est mon premier master flat que j'ai à faire. Je le mets à la file. Vous voyez, j'ai cliqué, glissé le processus vers le processus container. OK? Le deuxième flat que j'ai à faire, oh, c'est ces fichiers-là. Celui-là jusqu'ici. Ça, c'est le deuxième, ma deuxième série de flats. Le deuxième flat que j'ai à faire, il est ici. Je continue. À un moment donné, je suis rendu à faire mon batch debayer. Je ne sais pas si ça va marcher avec le batch debayer, parce que batch debayer, je crois que c'est un script. Non, les scripts sont pas. C'est vraiment, il faut que ce soit un process. Il faut que je calibre toutes mes images. Naturellement, c'est pas un bon exemple. Et peut-être qu'à travers, j'ai des master dark à faire. Voici les 200 dark que j'ai fait et puis je les mets à la suite. Lorsque c'est le temps de toutes les faire, je peux cliquer ici. Je clique sur le rond. Et puis, il va faire chacun des processus à la queue. Là, je peux aller prendre mon café, je peux aller me coucher, il va travailler. Je peux empiler plusieurs processus ici, un à la fin de l'autre. Ce n'est pas du scriptage, mais c'est quand même une manière facile d'automatiser certains processus. On a besoin de scripter, c'est ça la beauté de la chose. Okay? C'est du batch processing. Ils disent process container. Ce processus container-là peut être même sauvegardé comme un processus sur le bureau. Exemple, sur mon image, moi, ma routine de réduction de bruit, c'est de faire un multiscale linear transform suivi d'un multiscale median transform. Ben, ces deux processus-là, je peux en faire un. Fait que je peux juste appliquer ce processus-là sur mon image, les deux vont être processus dessus, un après l'autre. Ces processus-là fonctionnent, mais il faut que tu mettes le data avec. Exact. Ça. Ici, surtout que Median Transform, il y a un paramètre à changer, c'est sûr que ce n'est pas un bon exemple. Mais l'idée, surtout, je vais l'utiliser quand c'est le temps de faire des banques de master, dark, bias, flat, là, ça va être utile. Okay? Naturellement, tu ne peux pas utiliser dans ce contexte-là. Tu ne peux pas utiliser le résultat d'une étape pour aller à la prochaine étape. Parce que quand tu fais un cliquer-glisser, ben, l'image n'existe pas encore. Elle ne peut pas être un target. Un script va être capable de dire, prends le résultat d'une étape, passe-les à l'autre étape. Là, tu peux scripter. C'est le même ouvrage appliqué à des fichiers différents. Exact. C'est le même ouvrage appliqué à des fichiers différents qui existent déjà. Là, on peut facilement faire ça. Je vais juste faire un... Parce que là, s'il était parti pour la gloire, là...
Il y a l'air d'un certain processus quand ça lave, mais c'est pas universel dans le jeu. Ouais. Dans un processus container, là, c'est le container qui gère la succession, puis là, le bouton annulé n'est plus disponible. Process container, automatisation de tâches. Ce que je voudrais maintenant traiter, c'est la réduction de bruit. Je vais traiter deux choses dès le départ. Multiscale lineal transform, multiscale median transform. Ce que je vais vous montrer, c'est dans un projet. Donc, on va ouvrir load project. Je vais ouvrir au niveau du fichier d'atelier le projet de M51. Je vais revenir à l'étape juste pour pouvoir l'inspecter. Je vais revenir à l'étape juste de RGB Working Space, juste avant la réduction de bruit. On voit ici qu'on a une image qui est relativement bruitée, que j'aimerais adoucir. Okay. Ce que j'ai fait pour l'adoucir, j'ai extrait un masque de luminance qui est ici. Okay. Pour extraire ce masque-là, je me suis assuré, hein, pour extraire un masque, là j'ai bien effacé mon masque, pour extraire un masque, il faut s'assurer que chacune des couleurs, moi je travaille présentement à trois couleurs en trichromie, chacune des couleurs vont être utilisées à une génération éventuelle d'une luminance de façon égale. Cette fonction-là, c'est avec RGB Working Space. Je pense que Paul Paradis l'a bien couvert, ça. Donc, moi, si j'ai à extraire une luminance de cette image-là, je veux mettre un poids égal à chacun des channels. Je vais appliquer ce processus-là. Il se passe à toute fin pratique rien. C'est juste que dans l'image, maintenant, si j'ai à décortiquer cette image-là en plusieurs couches, le processus sait qu'il va devoir prendre un poids égal entre le rouge, le bleu et le vert. Sinon, le point 22 qui vient, le point 22, le point 0, ça vient d'une matrice Bayer. Une matrice Bayer avec un petit peu aussi un ratio de réponse généralement des couleurs. Point 22, ça veut dire que tu as un quart des pixels sur une matrice Bayer qui sont rouges. Normalement, un quart également bleu, puis tu as la moitié qui sont en vert. Je vais extraire mon masque de luminance. Ça, c'est la masse. Je veux. C'est toujours la même idée. Hein. J'extrais une masse de luminance. Que je vais faire un petit stretch dessus pour avoir une idée. Maintenant, pour me faire un bon masque, je vais faire un stretch, un histogramme, une transformation histogramme sur ce masque-là. Et naturellement, je veux exposer dans ce masque-là les zones de nébulosité qui n'ont pas vraiment de signal détaillé. Parce que je veux également l'adoucir, cette zone-là. Et donc, je vais stretcher jusqu'au temps d'avoir, de garder uniquement les zones de haut signal. Ça ici. Maintenant, les étoiles sont coupées carrées. Hein. Le masque est dur. Je veux l'adoucir un peu. On peut faire ça avec plusieurs choses. Je pense qu'une manière très populaire, c'est le Actual Wavelet Transform. On peut tout simplement écraser certaines structures, certaines structures de niveau 1, 2, voire même 4. On a combien de layers? Pardon? Présentement, j'en ai 4 plus un résiduel. Généralement, pour adoucir un masque, les trois premiers,
des fois l'autre après, mais des fois les trois premiers, si je suis à pardon. On peut, ça dépend jusqu'à quel point ton image est prise à focale longue. J'ai remarqué que plus ton image est zoomée, plus il faut que tu ailles dans des... Parce que ton étoile, est ton étoile qui, disons, qui s'éparpille sur une seconde et demie d'arc, voire deux secondes d'arc au Québec, ben, elle va être plus grosse si tu prends une focale plus longue. Donc, techniquement, cette structure-là, si tu la prends en, avec un suréchantillonnage, elle va se trouver dans une zone plus haute dans les wavelets. Ouais. Donc, je remarque facilement qu'à 2350 de focale, il faut que j'aille chercher plus de ces couches-là pour être capable de l'adoucir, adoucir mes étoiles. Si jamais je suis en hyperstar, ben, je peux rester à petite échelle. Puis, même si je fais du 200 mm, ben là, vraiment 1 et 2, là, c'est pas mal le top. OK? Oui, c'est pour ça que je fais... T'es à 500? Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, ici, on a un bon masque qui peut être utilisé. Ça, c'est toujours la base. Hein? Pour la réduction de bruit, on veut protéger les ondes de haut signal. Je vais appliquer ce masque-là. OK? Présentement, moi, je ne le vois pas parce que par défaut, je ne vois pas mes masques. Mais on voit présentement que c'est le fond du ciel qui est protégé. On peut l'inverser. L'inverser, le mot-clé, c'est le Shift, Command I en Mac, Shift, Control I pour le PC, juste pour inverser le masque. Ça va bien là-dessus? Ah ouais, OK. Juste ça? Ouais, si. Ouais, ça. Moi, c'est Shift, Command I. Multiscale Wavelet Transform. Il y en a deux qui fonctionnent très bien, puis l'un est complémentaire à l'autre. Okay? Multiscale Median Transform est même extrêmement efficace à complètement sélectionner certaines wavelets, certaines structures, vraiment les éliminer. Linear Transform est plus efficace à faire un blur sur certaines autres, sur certaines structures par rapport à d'autres. Mais au niveau de la réduction du bruit, l'une va être complémentaire. Okay? Ici, on n'utilise pas la fonction pour enlever les structures. On fonctionne pour réduire le bruit de certaines structures. Okay? On peut facilement fonctionner sur un preview. Ici, je vais fonctionner sur mon preview. Je vais stretcher mon preview juste pour voir les détails. Et puis, je vais tout simplement dire, je vais commencer. Ici, souvent, les valeurs que je vais commencer, c'est 3, 4, 5, voire même 6 si c'est à très longue focale pour les premiers. Puis ensuite de ça, ça descend aux alentours de 1.5 pour la troisième, puis peut-être aux alentours de 0.5 pour la quatrième. C'est des valeurs de base. Hein? On y va par essai-erreur ici. Je sais que celle-là fonctionne bien à 6. 4. 1.5, 0.5. Je vais activer mon preview. Multiscale identifie les structures avant d'appliquer la réduction de bruit. C'est un principe un peu comme le HO Wavelet Transform, mais on va avoir vraiment une bonne identification des structures. Wavelet Transform peut dire cette structure-là, moi, je perçois une petite structure dedans. Wavelet, lui, va dire non, cette grande structure-là, c'est juste cette grande structure-là. Il n'y a pas de petite structure dedans. Je peux complètement l'éliminer ou juste travailler sur cette structure-là. On va avoir vraiment une sélection pointue des grandeurs de structure. C'est en train de travailler. Pardon? Oui, oui, exact. Il va une petite structure que l'autre va éliminer, aura éliminé par défaut, ben elle va la garder. OK? Donc, on peut voir le avant, le après ici. Avant, après. Avant, après. On pourrait même être un petit peu plus agressif, peut-être, au niveau de celle-là. Dans une nébuleuse, il vaut mieux avoir un algorithme comme celle-là. Mais maintenant, il faut toujours évidemment plus.
Oui, tout à fait. Même l'algorithme est tellement efficace qu'on, que souvent je vais l'utiliser pas de masque. Il va être capable de dire non, ça c'est une étoile, ça c'est une petite galaxie du fond. La petite galaxie du fond, elle ne bouge pas. Le signal va rester précisément le même, mais partout ailleurs, ça vient de s'améliorer. Fait qu'on essaie un peu, hein, l'essai-erreur. Bon, ça c'est non, ça je suis en train de créer des artefacts qui sont pas intéressants. Par essai-erreur, je peux en arriver. On peut voir le avant-après. Je vais le laisser finir de travailler. Ça, c'est avant. Ça, c'est... Je vais juste montrer un avant-après, là, mais il refait le calcul à chaque fois. J'ai fini le preview, je vais vous montrer là avant-après, mais sur la vraie image. Okay, donc ça c'est après. J'aurais probablement pu même être un petit peu plus agressif, mais on voit qu'à petite échelle, elle a fait quand même un bon travail. OK? Surtout dans la nébulosité de la galaxie, ça va être un bon travail. Au niveau de linéaire transforme, c'est la même idée. Process. Le multiscale linear transform va être complémentaire. Souvent, il va utiliser les mêmes chiffres environ. On peut, par essai erreur, on peut continuer à tester, mais on peut y aller rapidement ici. Disons 6, 5, 3, 1.5, juste pour avoir une idée. On applique. C'est les mêmes paramètres qui vont agir différemment, par contre. Ici, l'algorithme, ce que j'ai remarqué, quand c'est le temps d'identifier certaines structures, lui, au lieu de les identifier et dire « OK, la structure est là », c'est comme s'il identifie. Donc, je dis « enlève cette structure-là », il va la mettre floue. Il va enlever la structure, mais la lumière va rester. Tandis que la médiane va dire « enlève cette structure-là », ça va devenir noir. On va le voir tout à l'heure dans la sélection de certaines structures pour enlever des petites structures puis garder les grandes pour faire des masques. Median Transform est très, très bonne là-dessus. Fait qu'on y revient. Donc, on peut voir le travail combiné maintenant des deux algorithmes. Ça, c'était avant. Ça, c'est après médiane. Ça, c'est après linéaire. On voit que les deux travaillent vraiment de pair. Souvent, une tout seul n'est pas suffisant, mais les deux ensemble travaillent très, très bien. Tu commences par médiane et après tu fais linéaire. On peut commencer par linéaire et médiane, ou médiane et linéaire, ça va bien là-dessus. Là, ça a donné que j'ai travaillé médiane, mais je pense que d'habitude, j'utilise l'inverse. Je commence par linéaire parce que linéaire a un fort impact immédiat. On peut le faire linéaire avant. Ben, c'est linéaire. Ici, le linéaire transforme, c'est juste la manière qu'il identifie les structures. C'est pas nécessairement est-ce que l'image est linéaire ou non. Là. C'est juste la manière que l'algorithme est appliqué pour détecter les structures. C'est sûr que le linéaire, vous allez voir que l'impact immédiat sur l'image linéaire est plus fort. Et on va voir, surtout dans la réduction de bruit, ça va écraser. Là. Tandis que le médiane va avoir tendance à dire « Oh, ben le linéaire, regardez ça, je vais l'enlever parce qu'il est sélectif. » Mais on voit que, écoute, malgré qu'on a beaucoup diminué le bruit, on voit qu'au niveau de la galaxie, il n'y a rien qui a bougé. Au niveau des étoiles, il n'y a aucun artefact qui est arrivé. Puis même au niveau des petites galaxies de fond ciel, là, si je zoome un peu plus, on voit ici qu'il y a une étoile, il y a quelque chose, hein? Elle restait là. OK? Donc, c'est assez performant. Combiner les deux.
Fait que multiscale, médian transform, multiscale, linear transform, combinément, ça va très très bien. J'en passe un dernier, ensuite de ça, on fait une pause. TGV Denoise. Pour TGV Denoise, je vais vous demander d'ouvrir un fichier. On va loader un nouveau projet pour faire table rase. Je vais vous demander d'ouvrir le fichier que tu n'as pas malheureusement. Tu l'as-tu maintenant? Oui, bien, celui-là, je l'ai ramassé. OK. TGV Denoise Ziffs. Là, tu es dans. OK, je vais vous demander. Pas de. Ouais, normalement, en double-cliquant sur le fond, vous l'avez. All known. OK, ici, on voit juste les fichiers. OK, ouvre ça. Je pense que je viens de trouver pourquoi. Oui, ici, clique là-dessus. OK, vous avez fait Load Project. Non, c'est pas Load Project. Double-cliquez sur le fond de l'écran ou faites File Open. File Open. Ou double-cliquez sur le fond d'écran. Parce que probablement que vous étiez dans un autre menu, genre Load Project. Donc, démo TGV Denoise, c'est ça? OK. Donc, si on fait File Open, ou si on fait un double-clic sur le fond d'écran, sur le fond de bureau, on arrive à ouvrir tous les types de fichiers. Là-dessus? Je pense que c'est ouais. OK. TGV Denoise Demo. Okay. Il y a également une autre composante qui est le XPSM qui va avec. Ici, il est gris, mais si je clique, je glisse sur le gris sur le bureau, je devrais être capable de l'ouvrir quand même, le processus. OK? Ici, on a une image qui est relativement bruitée. Mais le bruit est mélangé avec le signal. L'approche de dire « je vais appliquer un masque » est difficile ici. Parce que si je protège mon signal, qu'il y a du bruit dedans, ben oui, j'aplanis le fond, mais mon signal, lui, il reste bruité. Ben, il y a beaucoup de nébulosité là-dedans qui gagne, de nébulosité très fine qui gagne à être réduit en bruit. Okay? Je voudrais avoir un algorithme qui travaille partout sans masque. TGV Denoise va pouvoir faire ce genre de travail-là. On peut travailler avec masque ou on peut travailler sans masque. Il y a un seul paramètre avec TGV Denoise à faire bouger, puis c'est la force strength. Par contre, strength peut être variable. Ce strength-là, normalement, est à 5 par défaut. Puis vraiment, il peut faire un travail de 0.01 à 10. Okay? C'est difficile de trouver exactement où ce qu'on va être. Puis c'est un processus qui prend beaucoup de temps à rouler, là. Donc, ça devient intense faire tous ces processus-là. Là. Donc, ce que je vais me faire ici, c'est un preview. On va travailler en preview, ça va être toujours plus simple. On va faire un preview où ce que j'ai des étoiles, puis également des ondes à réduire. Je viens avec le preview ici. Ici, j'ai des belles ondes lorsque je vois que c'est plus foncé. Puis il y a des ondes qui sont plus intenses en signal. Il y a des ondes aussi intermédiaires en signal. À la place de travailler individuellement, puis d'appliquer, puis d'avoir plusieurs chiffres comme ça à rouler, ce que je vais faire, je vais aller chercher un script qui s'appelle VariParam. VariParam se trouve sous Utilities. Donc, script. Utilities, VariParam. D'accord? VariParam dépend de deux choses. Premièrement, le fichier doit être sauvegardé. Tu sais, des fois, on travaille en projet, techniquement, le fichier que vous avez sur Adavalvo n'a jamais été sauvegardé de façon extérieure. VariParam nécessite un genre de cible. Donc, sauvegardez votre fichier, même si c'est temp.exifs, sauvegardez-le. Sauvegardez le fichier que vous voulez travailler. Ici, notre fichier qu'on a ouvert, TGV Denoise Demo, est sauvegardé, donc ça va bien. La deuxième chose qu'on a besoin, TGV Denoise va nécessiter une cible au niveau du processus à appliquer plusieurs paramètres. Assurez-vous que votre processus est sur le bureau ici. Là. Vraiment, cliquez, glissez votre processus pour que ça soit une cible.
Donc, variparable nous permet de dire, prends le processus 1 qui est ici, là. Plus spécifiquement, je veux changer le paramètre strength L. Le paramètre qui est à défaut 0.5, ben en fait, c'est 0.15 ici, parce que dans le paramètre, si vous regardez, il est à 0.15. Maintenant, je veux le faire varier de 0.1. Je vais ajouter 0.15, virgule. Chacun des paramètres qu'on veut faire varier, on va avoir un preview à 0.1, on va avoir un autre preview à 0.15, on va avoir un autre preview à 0.2, on va avoir un autre preview à 0.5, un autre à 1, un autre à 2, puis un autre à 5. La règle, c'est que les paramètres, c'est chaque champ, d'abord le lien, ensuite le premier, deuxième, troisième. C'est le trois lignes de paramètres. Exactement. Donc, on voit que chaque paramètre, le déliminateur décimal, c'est le point. Et entre chaque paramètre, c'est une virgule. Alors ici, on a une double virgule, là. Vous voyez là avec une virgule. OK? Non, c'est ça. C'est 0.1, virgule, 0.5, virgule. Je pense que s'il y avait deux virgules de fil, peut-être qu'il l'avait pris comme zéro. Oui, il faut le mettre le zéro. Okay. Un autre détail ici, je veux garder chacun des résultats sous forme de preview. Donc, génère-moi des previews supplémentaires. Mon preview initial, il ne bougera pas. Le preview qui va avoir 0.1, ça va être un preview supplémentaire et ainsi de suite. Je vais avoir une série de previews au final. Donc, je fais rouler ça. Là, on va appliquer à tour de rôle les paramètres sur les previews. Puis à chaque étape, on va générer un nouveau preview. Si je minimise ça, on voit qu'on vient de générer un nouveau preview 1. On vient d'en faire 2, et ainsi de suite. OK? Je reviens ici pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer à la fin. On est rendu à 1. Un strength de 1. Vous voyez que TGV Denoise, oui, fait un bon travail, mais il est lourd à exécuter. On veut avoir ce genre de script-là pour être capable de dire « roule toutes les possibilités, puis je vais revenir plus tard. » On est rendu à 2. Le but étant d'identifier le niveau de noise que tu veux appliquer. Ouais. La force, le paramètre force, strength L, c'est lui qu'il faut identifier. Le script variparam, on est rendu à 5. Le script variparam va finir avec un genre d'instruction. Si vous voulez use control right and control left to navigate. Donc, entre chaque preview, on peut faire control flèche gauche-droite pour passer de l'un à l'autre. Vous voyez? Vous voyez mon preview, il change. Bon, preview 1, OK, ça c'est ça. Preview 2, preview 3, preview 4, preview 5. Oh, ici on voit qu'il commence à avoir un genre de ring alentour de mes étoiles. C'est pas bon ça, hein? On revient en bas. Moi, celui-là, là, je sais pas si vous le voyez, là, mais ça commence à être pas si mal. Bon, mon underscore 2, c'était quoi déjà? Mon underscore 2, c'était un paramètre à 0.15. Ben là, j'ai trouvé mon paramètre. Je peux effacer toutes mes previews. J'ai fini. Je peux ajuster mon paramètre à 0.15 maintenant. Puis je peux l'appliquer. Variparam. Oui, si tu le fais toi-même, il faut que tu penses, bon, OK, il faut que je reparte de mon preview numéro 1, j'applique, ça fait un nouveau preview, je repars de mon preview numéro 1. C'est de la job. Tu es obligé de sortir le process là-bas. Pardon? Tu es obligé de sortir le process, de le mettre sur le bureau. Oui, il y a vraiment deux choses que c'est obligatoire avec Variparam. Le fichier qu'on veut, il y a des previews, finalement, il faut que lui soit sauvegardé. Ça peut être même un fichier temporaire, mais il faut qu'il soit physiquement sauvegardé quelque part. Deuxième, le processus, il faut qu'il soit sur le bureau, parce que s'il n'est pas sur le bureau, il ne peut pas être sélectionné du menu variparable, là, le process, on ne peut pas le sélectionner, il n'est pas là.
Souvent, le monde se décourage d'utiliser TGV Denoise à cause de la difficulté à trouver le paramètre. Puis d'une image à l'autre, le paramètre va changer de façon significative. Ici, on peut voir le avant après. Pour cette image-là, TGV Denoise a fait un travail exceptionnel. On avait du bruit, on n'a plus de bruit. Vraiment, les structures ont été gardées. Ça varie. Honnêtement, pour TGV Denoise, j'ai vu que vraiment, il y avait une bonne différence entre 0.1 puis 0.15 puis 0.2. Puis pour certaines autres images, ben c'est juste entre 1 puis 2 que ça fait la différence. Ouais. Tu peux faire des tests sur plusieurs points. C'est ça. Fait qu'au début, tu peux faire un vari parable 1, 2, 5, 10. Là, tu dis, hop, finalement, ça se passe entre 5 et 10. Fait que là, tu fais 5, 6, 7, 8. Exact. Il y a ça, la résolution, le sampling, la grosseur de structure par rapport à ton sampling, c'est des paramètres qui vont varier comme ça. C'est la pause. On se reprend, on reprend ça dans une quinzaine de minutes. Martin, maître Martin, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Tu peux débrancher, s'il te plaît. Ça fait plus que moi sur ça. Merci.